fais pas le mouvement, c'est bien ça, je veux le faire lâcher. Donc je veux qu'il vienne dans mon espace. C'est pas moi qui va chez lui. Si j'y vais, je le mets en danger. Ce que je veux, c'est ça. Ok? Et ben, vous imaginez maintenant qu'on va plus faire lâcher à deux mains. Il va tenir fort. Donc quand je fais ça, soit je peux le faire d'un seul coup, soit. Et là je change. Là je change. Si ça vous embête, là. Ok? La manche, il va falloir lâcher. C'est que si vous avez réussi vous avez bien compris sur le principe du truc. Je vous promets que vous allez peut-être faire des trucs que c'est pas moi qui vais vous montrer, mais vous avez compris le principe d'utiliser la manche. Ok? D'utiliser la force de partenaire quand tu lui tiens la manche. Là, je vous montre tout doucement ce qu'on a fait hier. Mon partenaire m'a fait la manche. Regardez, même mon droitier, si j'y vais là, je me mets en danger. Regardez mes pas. 1, 2, 3. Ok? Je fais comme si je vais faire lâcher. Je suis pris. Je ne peux plus avancer, je suis droitier. Donc c'est très dur de me remettre comme ça. Donc je suis là, j'utilise 1, 2, 3. Et là j'y vais. Ok? Je suis ici. Et maintenant je peux faire la manche. Qu'ils me prennent la jambe, qu'ils me prennent la manche ou pas. Pareil, pour droitier, je suis ici. Regardez le même genre de travail. En haut. Alors je monte juste. En haut. Qu'est-ce que vous avez vu sur le même tirage? J'ai fait exactement pareil. Je l'ai emmené, j'ai changé ma position. C'est passé par là. Ok? Vous avez compris? On essaie encore? Vous pouvez mixer avec les deux. On va faire un tout petit peu debout. Mais comme on m'a dit que ce matin, c'est que technique. On va essayer de travailler un peu sur. Hier, on a vu un peu sur la rencontre du partenaire. On va faire son coup aussi. Ok? Manche prise. Le partenaire va faire la manche. Donc après, je suis lâché. On va faire changer. Ok? Maintenant, je vais faire un peu la même chose, pour faire avancer mon partenaire. Mais cette fois-ci, au lieu de venir sur le coachy, je viens changer sur le coachy. Mais regardez, comme je l'ai dit, la position de mes jambes. Je peux partir en droitier, ça fait plus dur. Parce que je suis déjà placé là, je monte, et moi je vais faire un changement. Ah. Ou, je suis droitier, moi je me mets en gaucher. Pas un problème. Et là, je vais changer. Ok. Bon, on va voir ça tout à l'heure, je laisse ça vous dire. Au revoir à vous. Tiens, Lélis qui ne connaît pas le judo hier me disait mais est-ce que c'est beaucoup avec la hanche? Même au sol là, quand on l'a fait là, il y a quand même de la hanche qui travaille. Et sur beaucoup de choses que je montre, bon, les jambes ça part, le haut ça déséquilibre, mais j'ai un travail de hanche qui est important aussi. Okay. Par exemple, quand je montrais le kouchi, mon propre partenaire prend la manche, voilà, et j'ai du mal à faire lâcher. Là, quand je viens percuter, j'envoie ma hanche. Là, il y a l'épaule, il y a ma hanche qui part. Et là, sur le Ouchi, si je suis droitier, je vais rechanger mon pied d'appui. Hop, j'ai toujours le travail de hanche quand je viens travailler pour ramener. Ben, si je ne ramène pas, je vais me retrouver en position difficile. Et moi, j'aime bien sur le droitier où je viens changer ma position. Parce que là d'ici, il est un peu confus, c'est pas comment je vais aller, ma jambe va avancer et elle est ce que je vais faire. Comme sur le kouchi, quand je vais venir tirer, je change. Okay. Je l'emmène à moi. Et là je vais changer. Et là, attention, quand je suis ici, certains là font ça. Certains font ça. Je viens. Je garde le contact avec le sol. Et juste le timing. On a fait pour la caméra sur le timing. Quand je le fais avancer, là je peux me battre. Et d'ici, je
je vais envoyer ma hanche, ma jambe tout en même temps. D'accord? Là, le plus gros travail dans la courbe des équilibres, de casser la balance. C'est ça que je veux. Ok? Je vais changer mes appuis. Ok? En droitier, si je reste là, regardez bien. Si je prends droit. Je ne peux pas remettre de la force. Vous savez pourquoi faire ça? Je dois la placer ici. Et là, ils vont essayer. Je suis en droitier. Je fais un travail sur le droit. Tu vas changer. J'envoie. Ok? Gaucher, pareil. Je l'emmène à chaque fois. C'est ça que je veux. Donc si je ne fais pas l'ouverture, je ne vais pas tirer, ça va être dur. Et je ne vais pas vers lui. D'accord? Si vous avez réussi à mettre la pêche, vraiment que sur les jambes, c'est bien. Mais généralement, je vais vraiment tout doucement. Quand je vais emmener ici, ce bras, il fait quelque chose. Regarde. Mon bras. D'accord? Je viens de tasser, normal. Je vais approcher cette jambe-là, en plus je suis tassé. Qu'est-ce qui se passe? Dire d'esquiver. Là, je suis libre. Si on loupe la jambe, voilà. Je m'en vais. Ok? Là, on essaie aussi d'abord en gaucher, en droite, ou gaucher. Okay. Jambes avancées. Il faut vraiment faire la transition de changer vraiment au niveau des jambes. Ok, là il a avancé, il est là. Mon fauchage, j'évite personnellement, après c'est vous qui. Vous voyez, je suis un peu trop haut, c'est très bien pour moi. Plus, je vais me remanger. Tiens, mon travail c'est ça. Juste ça. Et je ramène. Je fais mon ki, je m'arrête. Non, je ne pas. Regardez automatiquement, je suis au pied, regardez. Si c'est pas, je ramène la jambe, tu m'arranges, on est placé pour tester devant. Là, dans le jeu. Ok? Et là, je veux ça. Tu ne prends pas que quand on s'intéresse, c'est lui qui vient. Ça. Ce qui est très important aussi, je vous ai dit que la tête, il est important la façon dont vous allez mettre la tête. Si je fais mon haut chi, regardez, tout doucement. Je vais mettre la tête là. Dans le temps, pour certains, comme je vais vous expliquer, ils faisaient ça, mais ils attrapaient le truc. Ça pouvait passer. Là, maintenant, quand j'ai fait mon truc, ma tête, c'est là. Et après, quand je vais retourner, là, j'emmène avec. Sans contact à lui. Donc j'emmène pas avant. Danger, regardez bien. Rien que là. Bien, regardez, ça joue ma tête là. Automatiquement, mon poids de corps. Voilà. Juste la direction de la tête va changer. Personnellement, moi je fais des réactions avec ma tête. Et là, ça va changer. Là, ça va changer. Ok? On rentre en son air gauche. Ma gauche doit être un peu plus facile, quoi. Pour certains, le pied avancé, facile. Voilà. Je viens. La deuxième main qui s'est faite par le travail. Voilà, ça arrive. En fait, elle n'est pas allée de côté, hein. Elle est restée là. Donc j'ai assez de force, si ça bloque, je peux renvoyer encore. Allez-y! Merci jeune homme. C'était pas trop dur la chute, j'ai évité celui des chi. Lui va prendre au-dessus au creux du genou. L'essentiel dans le coucher ou le chi, c'est la percussion. C'est-à-dire si vous venez faire ou chi avec la jambe, ou chi avec la jambe, ça va se faire. Il faut le faire, parce qu'avec la percussion, il est dans les équilibres. Et à partir de là, c'est la jambe. Pas des conneries, alors je parle de la percussion hier. Ça, c'est le plus important pour vous si vous cherchez à faire avec la jambe. Donc là, dans ce placement-là, si on vient juste avec la jambe, c'est pas efficace. Il faut
à la deuxième façon, il faut aller dedans pour que systématiquement après le déséquilibre sur la percussion. Ce sera droite comme à gauche. Votre efficacité